On est mi-janvier. Vous avez vu la tête que j'ai? Ça fait blip, blip, blip. Ils sont en train d'arriver, hein, mes cheveux. Hein. C'est super long. Ça se voit pas vraiment beaucoup. Je prends des photos à chaque fois pour voir l'évolution jour après jour. Je suis fatigué, hein, j'en ai marre. Hein, ça fait, je passe des heures et des heures et des journées entières. Et pendant que je me fais, je suis en train de me faire ratatiner, quoi, par la justice, par la société. J'écoute beaucoup aussi les chaînes d'actualité, un peu France Culture, les médias, etc. Même les chaînes de droite, François. Bon, on est en pleine période électorale. Là, il vient d'avoir le scandale un peu. On est en plein passe vaccinal qui doit passer au Sénat la semaine prochaine. Donc, je suis très préoccupé intérieurement. En même temps, sur ce qui m'arrive personnellement et puis ce qui se passe au niveau international même hein, avec ce Covid. Donc au fur et à mesure où mes cheveux arrivent, il y a quelque chose qui arrive avec. Hein. Y a plein de... ma philosophie qui est, voilà, mes découvertes et tout, qui n'ont pas été prises du tout en considération. Enfin si, justement, je suis assez furieux au fond de moi parce que je viens d'écouter encore là une interview récente là sur Guillaume Hermer, hein, sur France Culture, sur l'anarchie. Je suis fatigué, quoi. Ça va faire 10 ans maintenant que j'ai fait cette découverte et je suis en train de faire le bilan, quoi, ces 10 dernières années, de ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai traversé. Et le fait que je guérisse de ma calvitie, là, je sais pas combien de temps ça va durer encore. Je passe au tribunal la semaine prochaine. Je pense que ce sera toujours pas fini. Et pourtant, moi, je sens vraiment chaque jour après jour que ça progresse, que ça va mieux. Je gagne, ça monte en... Donc, du coup, voilà, je fais des vidéos pour la preuve, hein, quand ça va finir par arriver complètement. Hein. Je fais plein de vidéos, je prends plein de photos. Franchement, ça ressemble à rien, hein. C'est vraiment moche. Mais c'est le résultat qui compte. Donc moi, je m'attends à quelque chose qui va faire du bruit, quoi. Peut-être pas du bruit médiatique au niveau de eux, à mon avis, ils vont fermer leur gueule, quoi, tous ces gens. Qui me marchent sur la gueule depuis 10 ans, quoi, qui m'excluent, qui me méprisent. Ils ont perdu. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés en guerre contre moi, l'air de dire qui c'est ce mec-là, qu'est-ce qu'il veut. C'est un anarchiste, c'est un révolutionnaire, c'est je sais pas trop quoi, c'est un rebelle, c'est un non-vax. Un parasite, hein, du système, hein. Et en fait bah, ils vont tous fermer leur gueule, quoi. Voilà, c'est pas simplement une guérison miraculeuse, hein. c'est une découverte arithmétique et puis c'est une refonte de tout le système, hein. C'est un nouveau système, donc voilà. Je prends les vidéos pour avoir des bons souvenirs, avoir des preuves, et puis bah on continue, quoi.
On ne s'arrête pas jusqu'au bout, quoi, on va se battre. Enfin, moi, je lâche pas l'affaire, hein, de toute façon. Mais même, plus le temps passe et plus je suis en train de me préparer psychologiquement à un événement intense. Hein. Pour cette année-là, ça va être musclé, hein, l'année, hein, je sens. Voilà. Donc, allez, on y croit, on continue. À plus.